Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Le mois de Ramadan dans lequel nous vivons actuellement, c'est un mois du pardon. Et c'est l'occasion pour nous, eh bien, de nous repentir, de faire un retour sincère vers Allah tabaraka wa ta'ala, de lui demander de nous pardonner nos péchés, en ayant la conviction qu'il va nous pardonner. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la sourate 39, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Donc Allah accepte de repentir. Mais au-delà de ça, il se réjouit de notre repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah est encore plus heureux du repentir de son serviteur qu'un homme qui serait perdu dans le désert et qui aurait perdu sa monture avec toutes ses vivres et qui finirait enfin par la retrouver. Donc le repentir, non seulement il est accepté par Allah, mais en plus il réjouit le Seigneur de l'univers. Et en plus de le réjouir, eh bien, tu vas gagner son amour. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la sourate La Vache, et certes, Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Donc, avec le repentir, tu passes de l'état de désobéissant à l'état d'aimer d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous voyez tout ce qu'il y a à gagner avec le repentir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Bien, se repentir, c'est d'abord regretter d'avoir mal agi. Ça, le repentir, elle commence par un sentiment, par une prise de conscience. Et puis, c'est également se résigner à faire tout ce qui est en notre possible pour ne plus mal agir. Et certains savants vont expliquer que le repentir sincère, ça consiste à toujours garder à l'esprit le péché, afin de ne plus le commettre. Mais l'imam Junayd, rahimallah, lui donne une autre définition du repentir. Il va expliquer que le repentir, c'est au contraire. C'est ne plus penser au péché. C'est oublier le péché. Pourquoi? Parce que celui qui se repent sincèrement, il va goûter à l'amour d'Allah. Et celui qui a goûté à l'amour d'Allah, eh bien, il ne peut plus être préoccupé par autre chose. Alors, enfin, sachez que celui qui veut être pardonné, eh bien, il doit savoir aussi pardonner. Allah nous dit dans la sourate 24, verset 22, qu'il pardonne et qu'il absolve. N'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne? Donc, Allah est pardonneur et il aime ceux qui pardonnent. Et il pardonne à ceux qui accordent leur pardon. Donc, profitons du mois de Ramadan, eh bien, pour demander le pardon d'Allah, pour lui demander de nous pardonner, mais également, eh bien, pour pardonner à tous ceux qui nous auraient peut-être blessés ou qui nous auraient peut-être offensés. Qu'Allah nous facilite et que ce mois de Ramadan soit un mois de bénédiction.